Élodie Gossuin a plus d'une corde à son arc, mais le rôle qui lui tient le plus à cœur est celui de maman. Depuis qu'elle a donné naissance à deux paires de jumeaux, l'ancienne reine de beauté ne sait plus où donner de la tête. Avec beaucoup d'organisation, elle parvient cependant à mener une vie bien rangée et, au quotidien, ses enfants le lui rendent bien. Mannequin, chroniqueuse, animatrice, épouse et surtout maman. Élodie Gossuin est une femme très occupée dont le quotidien est majoritairement dicté par son travail et ses quatre enfants. Ouverte d'esprit et transparente avec sa communauté, celle qui a été élue Miss France 2001 il y a plus de 20 ans a pour habitude de parler publiquement de la réalité de son quotidien. Forte mais souvent fatiguée et dépassée par son emploi du temps surchargé, la belle blonde ne manque jamais une occasion de se confier à ses fans. Mais parfois, certains petits instants de vie lui font réaliser à quel point elle ne changerait tout cela pour rien au monde. Ce mercredi 26 juillet 2023, alors qu'elle était de course avec ses deux derniers, les jumeaux Léonard et Joséphine, nés le 9 octobre 2013, la mère de famille a assisté à une scène qui a fait fondre son cœur. Immédiatement, elle s'est donc emparée de son téléphone portable pour la filmer et la publier sur le réseau social Instagram. On peut y voir ses deux enfants s'enlacer tendrement. De même, les deux bambins semblent aux anges puisqu'ils arborent tous les deux un large sourire. Quand pendant la galère des courses ton cœur de maman explose, a écrit Élodie Gossuin en légende de cette publication. Dans les commentaires, les fans de l'ancienne reine de beauté sont très nombreux à être également charmés par cette douce scène. Trop mignon. J'adore, ils sont si mignons, ils sont trop choux, je craque, si est-ce très beau de voir ces deux anges se faire des câlins, peut-on lire parmi les commentaires. Néanmoins, tout n'est pas toujours aussi rose et l'épouse de Bertrand Lachery a encore une fois tenu à le rappeler en répondant à une internaute inquiète. Mais dis-moi que parfois ils s'arrachent les cheveux aussi, a demandé cette fan, probablement pour relativiser quant à ses propres enfants. Ni une, ni deux, Élodie Gossuin l'a rassuré avec l'honnêteté qu'on lui connaît si bien. Mais grave. Il y a plus d'embrouilles, de crises de nerfs, de portes claquées, etc., que de démonstrations d'amour fraternel. A-t-elle temporisé ? Pour rappel, Élodie Gossuin avait même déjà expliqué avoir rencontré des difficultés dans son couple, elle qui a mis au monde deux paires de jumeaux, Jules et Rose, nés le 21 décembre 2007 et Léonard et Joséphine, nés le 9 octobre 2013. Les cinq premières années, je ne compte pas les jours où je n'ai même pas eu le temps de prendre une douche. Les nuits sans dormir, à se réveiller excédé, à ne même plus pouvoir s'adresser la parole avec Bertrand. A-t-elle récemment raconté avec franchise dans les colonnes du magazine Public. Heureusement que les choses se sont grandement améliorées.